Alors, où est-ce que ça nous a emmené, Taboulette? Taboulette, Taboulée, qu'est-ce que c'est que cette zone? Où est le danger que tu as pressenti? Attends, quoi? Celle-ci est intacte. Oh, une petite torche. Il y a un message. Une prière de géants. Qu'est-ce que c'est? Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux. De leur montrer le chemin du retour. Atreus. Attends! Je crois savoir comment ça marche. Donc tu crées que du caca. Et tu enflammes la torche. Qui va s'envoler avec l'air. C'est ça? Regarde! T'es une petite luciole. Oh! De la magie! L'ancêtre de la montgolfière. Et tu es mongole et fier. Qu'as-tu écrit? Pénis. Je leur ai demandé de veiller sur maman. Oh, il est mignon. Tu crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet? Je ne sais pas. Viens, mon garçon. La route est encore longue. Ah. C'est ce genre de beau moment qui fait vraiment que l'aventure avec Kratos et Atreus, là, elle soit exceptionnelle, je trouve. Recule! Qu'est-ce que... Je sais pas ce qu'il a foutu, mais... Recule! Ah, voilà! Un lance-flamme. Et t'as failli te faire carboniser le trou du cul, Atreus. Faut toujours explorer d'abord. Incroyable. Franchement, en temps réel, ce gosse, il meurt tellement, comme c'est pas possible. Je suis persuadé que c'est un dieu ou un truc comme ça, parce que bon... Kratos, normalement, je sais plus, c'était un jeu, je pense, vraiment. Ah, ça brûle! Flamboyant! On dirait papa après qu'il ait mangé épicé. Mon trou de cul. Chie du feu. Le tunnel, Atreus. Compris. Sois prudent. Ouais. Moi, je passe. En mode, bas les couilles. J'aime bien comme... Des tests. Et on se prend une branlée, ces gens, à vouloir tester papa. On a dû creuser ces tunnels pour contourner les pièges des géants. C'est une chance. Enfin, une chance pour moi en tout cas. Moi qui suis petit. Ouais, sacré nain. Ça nous aide bien pour le coup. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pourquoi? Ça ne sert à rien. On se voit de l'autre côté. Ouais. Ok. Ils voulaient vraiment pas qu'on touche à leur trésor, les gars. Allez, pas trop vite. C'est quoi ça? L'argent, la bobouche, la bobourse, tout ça. Quoi, maintenant il y a des drogas? Ah bah, Atreus. En plus, il est pas là ce petit PD pour m'aider. J'adore. On a besoin de lui. Où est-il? Ah bah, il est pas là. Encore? Tu me casses les couilles. Et une fois que je suis là, j'ai plus qu'à... Le baisser. Voilà. Eh bah, chaud au cul, hein, quand même. Ça pour un petit coffre avec quoi dedans, je vous prie. Oh, des jolies épaulières. Je veux voir ça. Non, toujours de la merde. Faute de goût intense et ultime, s'il en est. Toujours. Faire du bien. Encore un élévateur. On arrivera peut-être en haut plus vite que prévu. D'où tu sors, lui, comme une marmotte. Petit rongeur, là. Poto, poto, poto. J'observe ce qu'il y a à briser. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Faut le pousser. Allez. Ça a marché. Putain, il était gros ce caillou. Ah non. On est encore trop lourd. On va devoir. Oh, regarde par ici. La bobo, la bobourse. Comme fils t'es un nain. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec il se fait cramer encore. J'espère que c'est pas un autre caillou vivant parce que là on vient d'en balancer un. Si c'est maman caillou qui arrive, ça risque d'être un peu violent. La revanche de maman caillou. Ah non! Tant pis, je ne suis pas si gros, c'est vrai! On sera au sommet. Jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Le lac? Le serpent monde?
La maison? J'en doute. Nous verrons une fois là-haut. D'ici là, ouvre l'œil. Et ferme ta gueule. On s'en suce à chaque fois, hein. C'est... Wow! Atreus! Ça va, j'ai simplement perdu l'équilibre. Ouais, tu vas encore tomber. Sais, pour quelqu'un de si fort, tu t'inquiètes beaucoup. Ça me rend service, et ça nous permet de survivre. N'est-ce pas? Sans doute. Mais c'est pas une vie très amusante. Le fun est mort avec Kratos, c'est vrai. C'est pas du genre à t'emmener à la pêche. Qu'est-ce que c'est que ça? Cool. Ah, vraiment, il faut qu'on se batte ici? Très bien. On va lancer ma nouvelle attaque. Allez. Oh, ce petit coup de bouclier en sa gueule, c'était bien sympathique quand même. Allez, par terre. Tu l'envoies en l'air et moi je te le finis en deux. Oh, qu'est-ce que tu veux, gros sac? Amène-toi. Esquive sur le côté. Maintenant. Joli. Hache boomerang et à terre. Oh putain. C'était bien violent ça. Encore là-haut? Encore des sacs à merde? Je l'envoie chier. Oh le mec. Il est passé entre les plaintes. Ah, c'était bien fun. En combat comme je les aime. Écarte-les comme le cul de mémé. Oh non. Calme-toi, Kratos, calme-toi. C'était rien. Atreus n'a rien. On va les calmer. J'aime bien comment ils tombent à chaque fois. Bah, occupe-toi d'eux, peut-être. Parce que là, on est un peu en sous-nombre. Je sais pas si t'as remarqué, hein. Mais c'est un peu dangereux. En plus, sur un espèce de d'ascenseur de merde. Allez, on va le repousser bien comme il faut. Joli. Et ça, c'était amusant. Oui, je devrais plus m'inquiéter. Bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt fun. Non, nous sommes bloqués. Et là, ouais, là, on est vraiment bloqué. On va devoir monter. Je crois que l'élévateur est coincé par ce mur. Tu peux le dégager? Bah oui, bien sûr. Un gros coup de pied. Regarde. Juste un coup de pied, voilà. Au calme. Ah, où seras-tu quand la durée frappe? Eh bah, papa. Ce n'est pas la durée qui frappe Kratos, c'est Kratos qui frappe et la durée. On doit aller. Je n'en sais rien. Tu crois qu'il y aura d'autres attaques? Sans aucun doute. Où tu vas, Atreus? Si, alors tiens-toi prêt. Il veut sauter, il dit non, pas encore des combats. Concentre-toi. Bah regarde, tu en voulais, non? Oh, envole-toi. Stylé. Vas-y, papa va s'en occuper. Wow. Wow. Il y en a d'autres qui veulent arriver peut-être encore. Il y a du progrès. Oh, c'est quoi ce gros Yeti? Ouais, bah t'inquiète pas. Papa, il est très content. Il est très content parce que là, il a un ennemi qui peut défenestrer. Allez, on va lui mettre des petits taquets. Ouais. Allez, Atreus, c'est le moment d'envoyer tes petits oiseaux. Parce que moi, j'aime bien mettre des petites pétées au cul des trolls. Oh oui, viens par là. Je vais te monter comme mémé. Ne répète pas ça, Atreus, c'est dégueulasse, je sais. Allez, allez. Allez, fais-les s'envoler. Qu'est-ce que tu aimes la vue? Hein? T'aimes bien t'envoyer en l'air, sale singe? Prends ça, King Kong. Moi aussi j'ai la banane. Wow, oh, il a voulu me faire tomber, le con. Vas-y, Atreus, c'est maintenant. Voilà, fais-le tomber. Parfait, ça. Oh, fluide, quoi. Joli. Allez, dégage de là, toi. Dégage-le d'ici. Dégage de mon élévateur. Encore bloqué. Je sais. Ils ont vraiment des gros culs, hein. Pas croyable. Il pourrait revenir à tout moment. Mais oui, arrête de faire ta maman, là. Oh, grosse tata. Et on pousse. Je crois qu'on est en sécurité. On dirait. N'oublie pas mes conseils, Atreus. Père, il en pose caca, le gars. Disperser les cendres de mer. Et après. Après, on fera la pêche. Se passera. Nous rentrerons. Et on taillera du bois.
l'aventure sera finie. Pour l'instant. Mais nous aurons beaucoup à faire. Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Mais elle le redeviendra et nous continuerons ton entraînement. D'accord. Il a l'air tellement menaçant avec son téton lumineux. Eh bien, c'est bien loin à monter tout ça. Jusqu'où ça va aller ? Ça fait tout le sommet littéralement de la montagne. Hein. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On se rapproche. Tiens-toi prêt, gamin. On est presque au sommet. Rien ne nous arrêtera. Évidemment. Fait tout. Oh, un gros lézard. Il reste derrière moi. Un dragon. Ivenom nom. Comme c'est mignon. Prépare-toi. Regarde, on va lui mettre des... Oh oh oh. Il a voulu manger. Hein, il a faim. Il a faim, le gamin. Oh oh oh. Un dragon comme ça. Ouais. On va lui donner des petits coups dans les... Dans les mimines. Il veut me manger, hein, il veut me becter. Allez, on va lui taper les doigts. Il veut faire une manucure, le gars. Allez. Bouffe celle-là. Oh oh. Il est gros celui-là. Oh oh. Ça pique ou pas? T'as mis la faim, le gamin. Cette grosse salamande visqueuse là. Ça c'est épique. Disneyland. Et ça, ça t'amuse, Atreus, ça t'amuse? Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi prêt. Je fais caca. Ouh. Dans sa gueule. C'est le moment. On va lui grimper dessus. Ouh. Il a fait péter la caverne. Tiens bon. On s'accroche à sa queue. Ouhou. Epic shit. Eh ben. C'était intense. Ouais. Je savais pas trop quoi faire avec ces gros doigts là. Donner des coups de poing, c'est. Tiens, la manucure selon Kratos. Tiens. Voilà du boudin. Ouh. Oh bah tiens, ça. Wow, c'était quoi? Une espèce d'explosion étrange, ouais. Bien pratique à savoir. C'est donc ainsi qu'on va pouvoir potentiellement ouvrir les accès. Donc. On dirait une racine de l'arbre Yggdrasil. Suffit que je le chope. Est-ce que c'est sa sève? De la sève cristallisée et qui contient un pouvoir. C'est comme une bombe à retardement. Vous pouvez détruire les obstacles en sève d'arbre-monde en associant les cristaux à fragmentation à l'énergie électrique. Eh ben, c'est très alchimique tout ça. Regarde ça, j'étais un pro. Lancer de batte. Du baseball. C'est incroyable. N'est-ce pas? C'est bien pratique. Ces petites couilles là. En plus c'est joli. C'est une très jolie décoration. J'aime beaucoup. J'arrive pas à croire qu'on ait combattu un dragon. J'essayais de viser ses yeux, mais je perdais toujours l'équilibre. Oui, tu sais pas viser, on tu sait. Tu crois qu'on est chez eux? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés? Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. Oh. Oui. D'accord. Il est plus important de respirer que de parler. Le son de Kratos. Un joli moyen à détourner pour l'aider de la fermer avec ses questions à la con. J'aime beaucoup. Très inventif. Ouh. Et belle stalactite. Qu'est-ce que c'est? T'as entendu? On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Mais il crie comme une vierge effarouchée. Un de tes cousins éloignés, je pense, Atreus. Attends, Atreus. On va le laisser se faire bouffer. C'est Sindri. Tu peux tuer un truc aussi gros? Il faut le déséquilibrer. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques? Bonjour, bonjour, idylle. On peut pas l'abandonner. Tu passes à droite. Tu trouves un bon angle. Et tu attends mon signal. Il est bien gentil, ce dragon. Merci. Il arrive. Ah, si, bon, hein. J'allais dire, d'accord.
Vas-y, la belle distraction. Pour lui sauter à la gueule. Tout ça pour aider ton ami nain. Décidément. Allez, montons le dragon. Je viens te faire un massage du dos. Et mange ça. Oh, oh, oh. Il voudrait bien te niaquer, lui, hein. Oh. Dégage de l'Atreus. On va lui faire un petit coucou dans sa bouche. Là, il veut me manger, hein, il veut me manger, ça c'est sûr. Il veut me manger. Pas toucher avec la langue. Attaque puissante. Oh, dans le palais. Qu'est-ce que dit ça, papa, bon goût ou pas? Qu'est-ce que t'aimes? Saveur Kratos, épicé, salé, sucré. Demandez, c'est trouvé avec moi. Allez. Alors j'étais à ton goût. Évidemment qu'il va pas m'écouter. Kratos contre le dragon. Ça va chier les bulles. Ok. Oh oh. J'ai juste à esquiver les éclairs. C'est important de les esquiver par contre. Parce que je pense que ça va me piquer légèrement le cul. Allez, ça va péter. Oh, c'est en suspens dans les airs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un turbug dans la matrice viking, je pense. Allez, ouvre grand. Je pense qu'il a aimé. Oh, je suis en dessous de son gros cul. J'arrive pour te mettre une petite branlée. Mais elle est trop loin, lâche. Le truc, il était à péter au schnock. C'est pas vrai. Oh, le... Oh, on coupe. Ouais, il a pas l'air content. Oh, wow, 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 wow. Non, la manucure, j'avais dit que c'était pas pour maintenant. Pauvre bête, quand même. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, là, sur le côté? Encore de l'arbre monde? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Oh, oh. Eh ben, si on doit te faire une nouvelle pédicure manucure, avec plaisir, Kratos esthéticienne. Depuis l'Antiquité. Oh, oh. Ça fait du bien au téton. Rafraîchissant. C'est ce que j'essaye de faire, figure-toi, mais il essaye de m'atomiser le trou de balle. Et tu sais que ton père a un très mauvais timing et ne s'est pas visé. Et qu'est-ce que je t'avais dit à propos de partir? C'est pas vrai, couille de loup. C'est... Quand même, c'est un combat super épique. Épique, mais il va être long, hein. T'as vu sa barre de vie, au gars? Oh, il va niaquer, il va niaquer. Il a faim, mais il ose pas trop quand même, hein. Il a peur des chauves, hein, ça se voit. Allez, ça va péter. Ah, mais moi aussi ça pète un petit peu. Bouffe ça. Allez, c'est parti. On va lui faire un autre petit bisou. Yrazlir, là. Je voulais bien être ton ami, moi. Mais tu n'as pas voulu. On lui a un peu repeint la tronche, là. Ah, Atreus, j'avais dit de te dégager. Toi et ton gros cul. Est-ce que ça va? Oui. Oh, la papasse. J'ai un plan. Tiens-toi prêt à baisser la grue à mon signal. Oh. Je sais pas comment elle fonctionne. Je ne veux pas le savoir. Débrouille-toi. Tu vas sortir tes doigts du cul. Oh, 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 il a voulu goûter Papa Kratos, là. Ouais, non, ouais, les petites ongles de choc comme ça, hein. Il est gros. On va faire régime le dragon. On va faire régime le dragon. Le régime le dragon, j'ai dit. Oh, si en plus il te fait des trucs comme ça. Oh, oh, oh. Ces schémas commencent à devenir compliqués. Non, mais tu vas te calmer, oui. Allez. Oh, gros sac à merde, c'est pas possible. Allez. Jusqu'au dernier moment, on va lui découper l'heure. Ce soir, c'est du dragon farci, pincé avec ma superbe griffe à couilles. Voilà. On le mettra au-dessus de la cheminée. On aurait pu être amis, hein, tous les deux.
Mais non. Je répète, ta superbe monture. Oh. Ça te fait un joli collier. Oh là là. Explosion à fragmentation. Oh. Le trou dans son cou. C'est badass. Pourfendeur de dieu. Destructeur de dragons. On devrait même dire égorgeur de dragons. Et t'as son petit stand qui vient de se créer là. Waouh, on a réussi. J'ai réussi, tu veux dire. Et toi? Ah, ça alors? Mais personne n'avait tué de dragon depuis des siècles. Allez, ouais, encore en train de bander encore. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Non. Tu te trompes. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie, et ça, ça mérite une récompense. Non, tu ne me suceras pas la bite, tu n'es pas la sorcière, va-t'en. Ah, qu'est-ce que c'est? Des flèches de gui tressées, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Oh, merci. Je vois. Non. Il a pas l'air très convaincu, lui. Non, pas ça. Ah, mais il a une besace magique, hein, ça sort. Vous avez revu mon frère? Oui. Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste? Non. J'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes, non, plutôt que de leur efficacité, que je suis prétentieux, non, et obtus, maniaque, je sais ce qu'ils pensent, mais je me fiche de ces insultes. Ah, pourquoi t'as une truite dans ton sac? Brûlez ça. Oui, ou on peut le manger. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, 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 attends un peu, attends un peu. J'ai une meilleure idée. Quoi? Laquelle? Encore un de tes plans foireux? Il me faut une dent de ce dragon. Et tu vas faire quoi avec ça? Jouer au dentiste? C'est pas vrai. Laquelle tu veux, la molaire, une canine? Vas-y. Oh, je te jure. Rezlir, je n'en reviens pas. Père vient de terrasser un dragon. Je n'avais jamais vu un combat aussi épique. Je savais bien qu'il était fort, mais cette créature était gigantesque. Le dragon s'appelait Rezlir. Ça veut dire terreur, apparemment. Ça lui allait bien, il était féroce, monstrueux, et il pouvait cracher des éclairs. Par chance, Père a réussi à trouver des cristaux de sève d'Yggdrasil qui lui ont permis d'assommer Erzrr. Après quoi, il a planté un gros cristal dans sa gorge. J'en tremble encore, mais Père n'a même pas bronché. Je me demande s'il lui arrive d'avoir peur. Bah quand tu es né, oui, j'ai peur. Mais c'est quoi cette merde? Ah mais attends, le truc, c'est vrai que c'était épique, hein. Sacrément pétard épique. Allez, donne ton chico. Voilà. La petite canine, ça fait plaisir. Attention en prenant cette... Oh, trop tard. Oh, quel massacre. Oh, c'est une catastrophe. Mais l'autre, il est en train de gerber. Oh, l'autre. Parfait, ça devrait le... Oh. Mais quelle couille de loup, lui, c'est pas croyable. Allez, fais ton truc. Pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Non. Débrouille-toi. Et voilà. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça maintenant? Non, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Fais-moi confiance. Allez, tu vas devoir bander, gamin. Montre ton arc. Atreus, ton arc. Il y en a que pour lui, hein, des améliorations. Deux passages devraient suffire. Allez, tu vas bander deux fois avec cette petite cocorne. Tout doux. Kratos et la douceur, je pense pas que ça... hein? Flèche électrique. Vous avez obtenu des flèches électriques. Lancez-les sur les cristaux à fragmentation pour détruire les obstacles. En sève d'arbre monde à proximité. Ouh, on va pouvoir débloquer les choses. Et donc comment je peux changer? Ah, bien sûr. Maintenant, je t'impressionne. Ah bah oui, c'est quand même un peu plus cool. Hein. Comment pourrais-je l'expliquer? J'ai ajouté un motif vibratoire au tressage de la corde de l'arc. Lorsque tu tireras sur la sève durcie de l'arbre monde, la vibration atteindra son point de fracture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains cristaux explosent. Donc, mais crois-moi, tu vas adorer. Ça fait boum, papa aime bien. Oh, c'est classe, je te l'admets. Où as-tu appris à faire ça, Sindri? Eh bien, quand Brock et moi nous nous sommes séparés, j'ai étudié à Vanilla. Il y a un vieux couple, tu sais. Ça m'a ouvert l'esprit. De temps à autre, j'ai besoin de nouvelles sources d'inspiration pour rester créatif. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché avec mon frère. Il est prisonnier de ses habitudes, alors notre travail stagnait. Soit nous étions des armuriers hors pair, mais ensuite, le changement fait partie de la vie.
Si tu ne sais pas t'adapter et évoluer, tu finis aux oubliettes. Et c'est ça, les oubliettes. J'aime pas le caca. L'autre est déjà parti dans sa grotte en mode « Bah les couilles !»